Bienvenue à vous sur notre chaîne. C'est un plaisir de pouvoir vous partager ce temps de prière à vos côtés. Nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de suivre notre actualité de prière. Et si vous avez apprécié cet instant de prière, vous pouvez également aimer notre vidéo et la partager à d'autres fidèles. Prière pour la fête chrétienne de l'Immaculée Conception. Je vous salue, Marie, qui êtes conçue et née sans tache et sans péché, priez votre cher fils que je ne l'offense jamais mortellement. Vierge sainte, très digne mère de Jésus-Christ, obtenez-moi par vos prières l'amour de Dieu et de mon prochain, l'humilité, l'amour de la retraite et du silence, l'esprit de prière et de paix, la soumission aux peines qu'il plaira à mon Dieu de m'envoyer. Surtout la grâce finale, et celle d'être une de vos fidèles servantes pendant ma vie. Ainsi soit-il. La prière sur la conception de Marie. Très sainte et immaculée mère de Dieu. Très sainte et immaculée mère de Dieu, reine du ciel, porte du paradis, vous êtes vierge excellente, très pure, vous êtes conçue sans le péché originel, je le confesse en présence de votre fils unique que vous avez enfanté. Je vous en félicite mille et millions de fois. Je me réjouis de la faveur signalée et du grand bonheur dont notre bon Dieu vous a prévenu. Je souhaiterais passionnément que tous les hommes eussent la foi de ce grand mystère. Pour moi, je suis résolue de vivre et de mourir dans cette croyance. Je veux défendre le premier moment de votre vie afin que vous défendiez le dernier de la mienne. Je m'adresse donc à vous, ô Mère admirable, en cette vallée de larmes. Après Dieu, vous êtes mon unique consolation, mon support et mon espoir. Je vous demande une grâce pour moi et pour toutes mes associées, qui est de vivre et mourir dans le parfait accomplissement des volontés de votre cher Fils. Et pour l'obtenir, je me propose de communier chaque année en la fête de votre Immaculée Conception. De visiter le même jour votre image en quelqu'une de vos chapelles et de faire le même jour, quelque bonne œuvre, en l'honneur de votre Immaculée Conception. Ainsi soit-il. Prière de Jean-Paul II à l'Immaculée Conception. Prie, ô Mère, pour nous tous. Prie pour l'humanité qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la haine, de la terreur et de la guerre. Aide-nous à contempler avec le Saint Rosaire les mystères de celui qui est notre paix, afin que nous nous sentions tous engagés dans un service précis pour la paix. Et un regard plein d'une attention particulière pour la terre où tu donnas le jour à Jésus, une terre que vous avez aimée ensemble et qui, aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves. Prie pour nous, Mère de l'Espérance. Donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin. Fais que nous puissions voir ton Fils, rempli de joie dans le ciel. Amen. Acte de consécration à l'Immaculée Conception. Daignez recevoir ma louange, ô Vierge bénie. Donnez-moi la force contre vos ennemis. Ô Immaculée Conception. Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, me voici à vos pieds, moi. Pauvre pécheur, âme pécheresse. Je vous en supplie, acceptez mon être tout entier comme votre bien et votre propriété. Agissez en moi selon votre volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort, et mon éternité. Disposez avant tout de moi comme vous le désirez, pour que se réalise enfin ce qui est dit de vous. La femme écrasera la tête du serpent. Et aussi, vous seul vaincrez les hérésies dans le monde entier. Quand vos mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de votre amour capable de ranimer et d'enthousiasmer tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi, s'étendra sans fin le règne du divin cœur de Jésus. Votre seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du divin cœur de Jésus sur nous tous, en passant par vos mains maternelles. Ainsi soit-il. Prière à dire chaque jour. De la neuvaine. De la fête de l'Immaculée Conception. Ô Marie conçue sans péché, vous êtes venue à Fatima pour demander la consécration du monde à votre cœur immaculé. Avec le bienheureux Jean-Paul II, nous renouvelons aujourd'hui cette consécration. Nous souvenons sans cesse que nous sommes tout à vous et que vous pouvez disposer de nous pour le règne du cœur sacré de votre divin Fils. Ô Mère des hommes et des nations, nous vous confions l'humanité tout entière avec ses peurs et ses espoirs. Ne la laissez pas manquer de la lumière et de la vraie sagesse. Guidez-la dans la recherche de la liberté et de la justice pour tous. Orientez ses pas sur les voies de la paix. Faites que tous rencontrent le Christ, voie, vérité et vie, source de miséricorde infinie. Soutenez, ô Vierge Marie, notre cheminement dans la foi et obtenez-nous la grâce du salut éternel, ô clémente, ô compatissante, ô douce Vierge Marie. Amen.